Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto très court où nous allons créer une averse. Donc nous avons une image de départ qui s'y prête bien puisque l'homme a un parapluie qui fait assez sombre et que c'est mouillé là sur le sol. Bien, nous allons créer tout de suite un nouveau calque sur lequel nous allons mettre un filtre, le filtre rendu fibre. J'ai pris là une variance de 23 et une intensité de 17. Je réponds OK. Je vais passer du mode normal au mode superposition. Je vais aller chercher dans Images, Réglages, le niveau. Et on a notre boss là qui représente le niveau. Donc, à gauche, la couleur sombre, le noir. On va réduire un peu les noirs. Voilà. Comme ceci. Alors, tous ces réglages seront en fonction de vos images et de ce que vous voulez faire. Donc là, on a notre pluie. On va lui donner une petite direction. Donc, on va faire édition, transformation manuelle. Tourner un peu comme ça notre image. L'agrandir pour que toute la pluie soit dans toute l'image d'arrière-plan. Et je valide. Maintenant, je peux mettre un filtre de flou directionnel. Là, je suis sur un angle à 50. Voilà, on va mettre à 20, 21. Là, encore une fois, ce sera fonction de ce que vous voulez faire et de l'image de départ, puisque nous sommes dans un calque avec un mode de superposition. Je vais renforcer un petit peu l'effet pluie et l'effet mauvais temps dans arrière-plan. Je vais lui mettre comme ceci un calque de réglage, luminosité et contraste. Je vais baisser un peu la luminosité et je vais augmenter le contraste. Et voilà, nous avons créé la pluie. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tuto court. Salut !